حياكم الله أعزائي الطلبة صحفتوركم وتقبل الله صيانكم سنقوم في هذا التسجيل بشرح كيفية حل بقية تمارين سلسلة الديفيزيون دولو سوليد الانتشار في الجوامد وكذا سنقوم بشرح كيفية حل تمرين من سلسلة البروبريتي ميكانيك لي زيسي ميكانيك لي سي دو تراكسيون اختبار الشد او تنسل تيست اذا سنقوم بحل التمرين الثاني والثالث من سلسلة الانتشار لا داعي للعودة الى التمرين الاول الذي قمنا به حضوريا Donc, euh, on va entamer 2 et l'exo 3. Donc, c'est pas l'appel de revenir à l'exo 1 qu'on a déjà fait euh, présentiel. Alors l'exo2 consiste d'un alliage de cuivre aluminium, c'est un alliage important à durchissement précipité, dans lequel cet alliage est traité en solution dans le domaine de la phase alpha. Alors on demande quoi On demande de déterminer le temps à 500 degrés Celsius, ce qui est équivalent, euh, équivalent à 10 heures de traitement thermique à 500 degrés Celsius. Donc on donne, supposons que. Euh, d à 500 degrés Celsius est égal à 4,1 fois 10 puissance moins 14 mètres carrés par seconde et d à 500 degrés Celsius, au coefficient de diffusion qui est égal à 4,7 fois 10 puissance moins 3 mètres carrés par seconde et puis on demande de comparer entre les coefficients de diffusion en réalité, donc de, de, de l'aluminium dans le cuivre et aussi le cuivre dans le cuivre à 500 degrés Celsius avec les données, le coefficient de diffusion indépendant, le de temps, des zéros et aussi on donne l'énergie d'activation. Alors c'est un exercice simple, c'est juste une application numérique. Donc on sait que euh, D fois T est égale constante. Donc d fois t est égal à constante. Ça veut dire que d 500 fois t 500 est égal à d 600 fois t 600. Donc on trouve que t est égal à t 600 est égal à d 500 sur d 600 fois t 500. Alors est égal à combien Est égal à 4,1 sur 4,7, alors 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 13 qui est égal à 0,1 fois 10, fois 10, donc on élimine, donc on met directement 4,1 sur 4,7 et on trouve qu'il est égal à 0,872. Et euh, multiplié euh, so, euh, 60, donc on trouve qu'il est égal à environ 52 minutes et quelques secondes, 20, 20 secondes je pense. Alors c'est ça le temps nécessaire pour un euh, traitement à 600, de, à 600 degrés Celsius. Le temps est égal à 52 minutes. La deuxième question, alors on compare entre le coefficient de diffusion de l'aluminium dans le cuivre et le cuivre dans le cuivre. Alors on applique directement l'équation d'Iranus qui consiste de D égale D0 exponentielle moins Q sur R fois T. Alors euh, faites attention euh, donc on prend T en Kelvin, donc euh, on transfère en Kelvin. Donc, il est égal à 773 euh, Kelvin. Et l'énergie d'activation en joule. Donc, nous avons en kilojoule, donc, fois 10 puissance 3. On fait l'application numérique directe. Et on trouve d égale d0 exponentielle moins Q sur RT. Donc, on trouve... Euh, Normalement, le coefficient de diffusion de l'aluminium dans le cuivre qui est égal à 2,72 fois 10 puissance moins 16 mètres carrés par seconde. Et la même chose pour le cuivre dans le cuivre. Donc, on fait l'application numérique et on trouve des cuivres dans de le cuivre qui est égal à 5 fois 0,05 fois 10 puissance moins 19 mètres carrés. Alors, on compare que D le coefficient de diffusion de l'aluminium dans le cuivre est plus supérieur, très supérieur à diffusion euh, de cuivre dans le cuivre. Donc il consiste que nous avons des atomes d'aluminium, puisque les atomes d'aluminium sont plus petits que celui de cuivre. De Donc c'est ça pour le deuxième exercice. C'est un, un exercice simple, c'est juste une application numérique. Alors euh, pour le troisième exercice, donc la diffusion de semi-conducteurs tels que le silicium est l'un des procédés industriels qui dépend, qui dépend euh, des, transis, de, alors, des transistors pour amplifier les signaux électriques. Alors, on considère une épaisseur qui est égale à 1 mm de silicium et qui contient 400, n'est pas 4000. Vous corrigez, hein? donc euh, dans la série que je vous ai donnée, vous corrigez. N'est pas 4000, c'est euh, 400 atomes. Et ici, c'est exponentiel. 13, donc, euh, donc exponentiel, la même chose. Il n'existe rien ici, fois. Donc, vous corrigez les données. Alors, 400, il y a pas 4000 atomes de phosphore diffusent. Alors, qui contient 400 qui diffusent hein, dans 10 puissance 7, dont 10 millions d'atomes de silicium, donc au niveau de la surface, sur la surface. D'accord Donc, c'est ça euh, l'exercice. Le, alors, on demande de calculer le gradient de concentration par deux méthodes. Par pourcentage atomique en mètres et aussi par nombre des atomes en unité de volume par mètre. Donc, la première question est facile, donc on va euh, expliquer la deuxième question. Donc, on donne aussi que euh, A de silicium, la longueur de, 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 de la maille, qui est égale à 5,4307 ingestants. Alors, comment calculer le gradient de concentration donc par pourcentage atomique en mètre donc c'est clair on sait que le gradient de concentration est égal à delta C sur delta X donc le gradient de concentration inaxial ou bien indirectionnelle. ça veut dire qu'une seule direction on considère que la diffusion se fait seulement d'une seule direction et est donnée par la déclaration suivante alors Ici, nous avons le taux qui est égal à delta C sur delta X ou bien E, c'est l'épaisseur. Donc, on considère, alors pour calculer le gradient de concentration, donc de, de, de phosphore, dans le comprime de silicium, à la surface du comprimé, la concentration en phosphore est c est de cs au niveau de la surface. Et celle du phosphore à l'extrémité, donc, de l'épaisseur 1 mm. Faites attention, 1 mm ici en mètre, donc fois 10 puissance moins 3, et supposé nul à l'extrémité, donc euh, 10 puissance moins 3, moins 0. Alors, on calcule d'abord la concentration atomique de phosphore dans le solution, à la surface. Donc, nous avons CS au niveau de la surface qui est égal à 400 atomes sur 400 plus 10 puissance 7, puisqu'il existe 10 millions d'atomes. Donc, fois 100% pour trouver concentration, donc, sur euh, fois 100. Donc, on trouve qui est égal à 0,004%. Donc, taux est égal 0, donc c'est ça la concentration sur l'épaisseur qui est égale 10 puissance moins 3 mm et on trouve fois 10 puissance 3, donc on trouve qui est égal le taux, égale 0,04 atomes de phosphore par mètre. Donc euh, c'est ça. Alors pour la deuxième question, on vient partie B, donc pardon, il existe ici. Donc, pour la question B, Donc, maintenant on calcule la concentration par unité de volume du phosphore à la surface du comprimé en silicium. Alors, on sait que le silicium, vous voyez bien, alors écoutez, le silicium cristallise dans une structure de type diamant. Donc, il, il y a donc 8 atomes de silicium par maille. Donc, on sait, normalement, on signale que le silicium euh, se cristallise dans une structure de type diamant. Donc, il y a 8 atomes de silicium par maille. Donc, il y a 400 atomes de phosphore pour 10 puissance 7, pour 10 millions d'atomes de silicium. Alors, les, atomes, les, les 400 atomes de phosphore occuperont donc occupe euh, euh, dans un volume qui est égal à 10 puissance 7 fois euh, a occupe sur 8 donc on va calculer euh, cette valeur donc on trouve 2,002 euh, fois 10 puissance moins 2 mètres cubes J'espère que c'est clair ici. Donc euh, euh, étant donné que l'atome de silicium est un cristal de diamant et qui contient 8 atomes de, euh, de la taille. Donc A cube a un volume de. Donc le, la différence de concentration dans une unité de volume est égale CS. Donc ici, CS est égal 400 sur. 2,002 fois 10 puissance moins 2, et on trouve qu'elle est égale à 1,998 fois 10 puissance 24. Donc, ici, euh, bien sûr, à temps par mètre cube. Mais on trouve pour le, le volume, donc cette valeur, c'est concentration sur le euh, distance, donc sur 10 puissance moins 3.

ثلاثة هنا تساوي الواحد يعني عشرة قوة ناقص ثلاثة ناقص صفر فبالتالي هذا سؤال بسيط سؤال الأول أو الشطر الأول بالنسبة للشطر الثاني ب نعتبر هنا بلورة سيليسيون يقال أن بلورة سيليسيون هي بلورة ماسية البنية نتاعها كيف تكون دونك هي بلورة دو ديامو دو ألماس فتحتوي على ثمان ذرات في حجم أ مكعب فيكون لدينا حجم الذرة هو أ مكعب على ثمانية هذا هو حجم الذرة ولدينا فرق التركيز في الحجم مساوي لدلتا إكس ومن هنا نستنتج تدرج التركيز بالنسبة الذرية في المتر إن صح التعبير ونستنتج تدرج التركيز بعدد الذرات في وحدة الحجم يونيتي دو دونك Donc, atom fois mètre puissance moins 4. Donc, c'est ça euh, l'exo 3. Et vous me donnez l'exo 4 comme un, un devoir à la maison. Donc, vous le faites. Je, donc, je, fais directement, je passe maintenant directement à euh, la série suivante. Donc, euh, je mets l'essai de traction, les propriétés euh, mécaniques, notamment les essais mécaniques de l'essai de traction. Euh, L'exemple que je l'ai déjà donné en présentiel. Alors, où est l'exercice je... Excusez-moi une minute, je vais chercher l'exercice. Alors, euh, on réalise un essai de traction. Donc, voilà l'exercice. Un essai de, de traction a été réalisé sur une épreuvette cylindrique. Donc, cylindrique, pardon, d'un acier inoxydable 376. Donc, le, le plan de cette épreuvette est donné ci-dessus. Et la courbe brute de traction, F, la force en fonction de delta L, l'allongement, la différence de l'allongement, est donnée euh, donc au-dessus. Donc, L0, la longueur ici, L0 est égale à 150 mm de longueur initiale. Et le diamètre D est égal à 15 mm. Donc on demande de calculer le coefficient, le module d'élasticité, le module de Young en gigapascal, vous voyez bien, en gigapascal de matériau. Et puis sa limite proportionnelle d'élasticité. RE élastique, oméga pascal, et sa limite conventionnelle d'élasticité, le RE02, oméga pascal bien sûr aussi, et la résistance en traction, la résistance maximale, RM, et puis on demande la déformation totale, epsilon t, donc juste avant la rupture, et puis l'allongement final, A, après la rupture. On demande euh, par la suite l'énergie d'élasticité libérée par unité de volume de matériau à l'instant de sa rupture. Et puis lorsque était euh, soumis à une force qui était égale 40 kN, donc son diamètre était euh, alors égal à 14,995 mm de diamètre. Et on demande de déterminer ou bien calculer le coefficient de Poisson de cet acier, l'acide inoxydable. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, comment calculer d'abord le coefficient de diffusion Alors, on sait que plutôt le module de Young ou bien le module d'élasticité. Alors, on sait que le module d'élasticité E. Selon la loi de Hooke, segment est égal à E fois epsilon. Alors, E, le module de Young, représente la tangente dans le domaine d'élasticité. Ici, le domaine d'élasticité, c'est un domaine réversible. Rappelez-vous ce que nous avons déjà vu dans le cours. Alors, euh, on va calculer la pente. Donc, la pente ici, à ce point-là, par exemple, la pente euh, de cette courbe. Donc, E est égal combien? E égale sigma sur epsilon. Et sigma égal combien? Égale F sur S. La contrainte est égale à une force sur une section. Donc euh, nous avons une force ici qui est égale à 42. Par exemple ici à ce point-là, 42 kN sur ici, le point ici est égal par exemple 0,19. Donc on choisit deux points, quel que soit le, le point ici moins 0, 0. Donc, euh, on mesure la pente. Ici, c'est de 40 ou, 40 ou bien le 42. Donc, on trouve la tangente ici comme celui-ci et celui-ci. Donc, nous avons euh, f sur s. On a dit 40 fois 10 puissance 3. 10 puissance 3 kg. Parce que kg, Newton. Et la section qui est égale, puisque cylindrique, s est égale p fois d au carré sur 4. Alors, si on met les calculs, P fois D au carré sur 4, on trouve que S est égal à 176,625 mm, donc 1000 mm, voilà. Et on fait le calcul de epsilon qui est égal à delta L sur L0, 0,19 sur 150. Donc toujours en millimètres. Donc le rappelez-vous sur le euh, Newton sur millimètre qui est égal au mégapascal. Alors on trouve ici on trouve normalement 196 et 670 mégapascal fois 10 puissance 3. Alors on trouve en gigapascal qui est égal à 196,67. Giga Pascal, c'est ça le module où on, que normalement on le trouve ici. Donc on a mesuré le S, la section qui est égale à cette valeur, et aussi le delta L sur L0, l'epsilon. Donc on trouve 196 ou bien 195 à Pascal. Donc on verra de cette valeur. Alors la deuxième question, c'est de calculer la contrainte. Contrainte ou bien limite propor euh, proportionnelle d'élasticité RE. Alors, euh, contrainte, c'est déviation de la loi de Hooke. Donc, euh, écart de la droite. Donc, élastique, donc, euh, qui correspond cette contrainte à une force FE qui est égale ici 44. Ici, ce point-là, qui est égal 44 kN. Donc une contrainte qui est égale sigma ou bien RE est égale Fe sur S, toujours S0. Donc qui est égal aussi 4 fois Fe sur PDE carré ou bien nous avons déjà calculé la section. Donc on trouve que RE est égal 249,11 MPa. Alors, on passe maintenant à la limite conventionnelle d'élasticité, le RE02. Alors, contrainte définie par l'intersection de la courbe de euh, traction euh, à une droite parallèle à la, euh, la droite élastique, en passant par le point 0,2%. Donc,. Euh, Ici, le Fe 0,2, ça veut dire la déformation epsilon qui est égale 0,2% est égale aussi delta L sur L0. Alors, donc, euh, delta L est égal 0,2%, 0,2 sur 100 fois L0 qui est égal à 150. Alors, on trouve que euh, epsilon est égal à 0,2%, delta L sur L0, on trouve que delta L est égal à 0,3 mm. 0,3 mm, ici, ce point-là. Donc, on met le parallèle, parallèle à euh, cette ligne droite, la pente. Donc, 0,3, on proche ici, et on trouve qu'il est égal à 51 kN. Ça, c'est la force de 0,2 égale 51 kN. Et on applique directement R égale sigma plutôt F sur S et on trouve euh, RE02 R est égale 288,6 MPa. Voilà le Re02. Donc ici, comme j'ai dit à tout à l'heure, donc c'est parallèle la pente. On trouve ici à ce point-là, égale 51 kN. Alors, on passe maintenant à la résistance maximale. À la résistance maximale de cet acier donc euh, contrainte nominale maximale à atteindre au cours de l'acier de traction donc ici dans la courbe globale donc ici donc voici le point maximum ici c'est le maximum ce point là qui est égal à 88 kN donc 88 kN, c'est la même chose, je applique R est égal 4F sur PD au carré, ou bien F max sur S S0. C'est la même section, ça ne change pas. Donc, on trouve Rm est égal 88, 88 kN. Donc, La résistance maximale est égale 498,23 MPa à peu près 500 MPa. Alors pour euh, la déformation totale maintenant. La déformation totale jusqu'à euh, la rupture ou bien avant la rupture donc la déformation totale rappelez-vous c'est quoi c'est la déformation élastique plus plastique la déformation élastique plus euh, plastique atteinte jusqu'à avant la rupture donc euh, euh, l'axe des abscisses de dernier point de la courbe de traction donc epsilon T égale combien alors ici c'est le point de rupture avant la rupture alors ce point là donc ici est égal Delta L qui est égal à 57 mm. Donc, epsilon est égal à delta L sur L0 qui est égal à 57 sur 150. Alors, on trouve ici epsilon normalement est égal à 38%. Donc, epsilon est égal à 38%. C'est combien C'est de 57 divisé par 150 est égal à 38%. Et pour l'allongement final, le A après rupture, donc c'est de formation plastique permanente, A après la rupture, donc nous avons A est égal à epsilon T moins epsilon élastique. Donc epsilon total moins l'epsilon élastique. Alors, où epsilon élastique est le retour élastique après rupture? Donc, on mesure le Rf, la contrainte finale à la rupture. Donc, nous avons epsilon élastique égale Rf sur E, sur le module de Young. Donc, 40 ici. Alors rappelez-vous, ici sur le domaine élastique et le domaine plastique, l'épsilon total égale epsilon élastique plus epsilon plastique. Donc ici, correspondant domaine élastique, 42 kN, donc on trouve euh, à peu près epsilon euh, élastique R sur E, on trouve qu'il est égal à euh, environ 0,23. Donc A est égal à... Euh, la différence 38 0,3 donc on trouve environ 37,7 euh, donc c'est ça pour l'allongement final alors on passe maintenant à l'énergie élastique euh, libérée la question suivante alors la question suivante c'est quoi c'est de déterminer ou bien calculer l'énergie élastique libérée par unité de volume de matériaux à l'instant de sa rupture. Donc euh, voilà lorsque le brevet F égale 40 kN et le diamètre donc ici. Alors voyez bien comment calculer l'énergie. Donc ici on a dit que l'énergie c'est la surface. Donc la pente on peut le calculer donc euh, L'énergie de la rupture par unité de volume de matériau, Donc, on, on joule par mètre cube, cube ou bien millijoules par mètre cube. Donc, à l'instant de sa rupture, on a dit aussi que dans le cours, epsilon élastique est égal à un demi sigma fois epsilon. Donc, euh, égal aussi euh, sigma au carré sur 2 de, jeu, de euh, module de yon donc voilà sigma f est la contrainte finale sigma f c'est ce point là donc euh, la contrainte finale à la rupture correspond au dernier point de la courbe de traction ce point là ici donc voici le epsilon et ici c'est égal à environ 78 kN donc on trouve le contraint sigma ou bien r cette force sur la section et on trouve euh, on, euh, que l'énergie environ 0,5 donc euh, mégajoule euh, par mètre euh, cube donc voilà la relation d'appliquer et donc on trouve que de l'énergie w égale 1 demi alors pour la dernière question le coefficient de poisson, voilà la question, euh, le coefficient de poisson, donc euh, ici, normalement, ici le H, donc lorsque le brevet était soumis à une force qui était égale à 40 kN, et son diamètre était alors de, euh, égal à 14,995 mm, on demande le coefficient de poisson. Puisque, alors comme vous sachez tout le monde, qu'on a déjà vu euh, dans le cours, donc euh, epsilon est égal moins la déformation d, epsilon t, sur epsilon l. Donc euh, epsilon d, c'est de delta d sur euh, d0. Et ici, le delta d, c'est égal 0,005. Alors euh, on mesure le εd, delta D sur D0 sur delta L sur L0. Alors, euh, et la valeur est égale 40 fois 10 puissance 3 newtons. Donc le delta L qui est égal moins 0,005 et le delta L est égal à 0,175. Donc ici le 40 kN. Excusez-moi, ici, le 40 kN, ici, ce point-là. Donc, on trouve le delta L ici, qui est égal à environ 0,17 ou bien 18. On prend 0,175 mm. Donc, et on trouve, on fait le calcul, ce rapport. Et on trouve normalement qui est égal à environ 0,28. 0,28. Ou bien voilà la valeur de nuit euh, de coefficient de poisson sans unité qui est égal à 0,285 euh, le coefficient de poisson. Alors voici l'exercice. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter et de poser les questions par les réseaux sociaux ou bien par email, surtout par email, ou bien euh, dans le YouTube. Si vous mettez euh, cette vidéo dans le, le YouTube, vous pouvez poser euh, vos questions. Alors merci pour votre attention et à bientôt, Salut